Salut à toutes et à tous, c'est Hunter et ça j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 2 de Pixelmon. Je tourne cet épisode quelques jours après le premier. Et je n'ai toujours pas atteint les 400 abonnés, on y est presque, on est à 396 au moment où je fais cette vidéo. Donc bientôt l'épisode 1 va bientôt apparaître. Mais bon, sans vous en foutre, puisque de toute façon cette vidéo apparaîtra après le premier épisode. Donc on va passer directement au vif du sujet. Donc la dernière fois on s'était laissé ici, on avait trouvé un centre Pokémon, un petit village. Bon, malheureusement il avait pas ce que je voulais, donc on verra ça dans une prochaine... Ah, il y a un coffre ici, je l'ai pas vu. Dans une prochaine, je crois, je suis pas sûr. Ah si si, je l'ai vu. On verra ça dans... Peut-être dans une prochaine vidéo si on trouve un autre village. Simplement, et donc on s'était laissé ici, on avait dit que le désert était le bon biome pour tout simplement XP notre Bulbizarre. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. D'ailleurs, d'abord, ce qu'on va faire, parce que j'ai installé un mode pour avoir des commandes. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est hop, slash... Merde, c'est pas ça. Slash set home. Voilà. Comme ça, maintenant, voilà, je me mets ici. Slash home. On pourra revenir ici quand on veut. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on peut aller chercher du Pokémon à tuer. Donc c'est parti pour la séance d'XP tout simplement. Ça va être un épisode XP. Wow, un libégon là-bas, c'est magnifique. Oh, un boss. Trio Picker. Bon, par contre, je vous préviens, s'il y a des petits bugs, j'ai vraiment pour rien du tout. Quand je fais des tests, des fois, la caméra ne saute pas, et des fois, elle saute. Donc, je suis vraiment désolé si tout le long de l'épisode, ça fait ça. Si quelqu'un a... comment ça s'appelle ? La réponse à mon problème, enfin enfin voilà, vous m'avez compris quoi, tout simplement. N'hésitez pas à me le dire parce que ça m'intéresse. J'ai pas envie de proposer des vidéos qui sont chiantes à regarder à cause de ces sauts de caméra. Je sais pas comment ça se fait. J'ai regardé sur internet, j'ai rien trouvé. Donc voilà, c'est un peu chiant. Bon, on va regarder les Diglett. Non, Diglett ils sont tous trop haut level. Pour l'instant, 12, 16, 16, 7, je sais pas s'il faut, on ira dans un autre biome, hein. Pas grave. 23, 22, 11, on va voir là-bas dans l'eau s'il n'y a pas des Magikarp, on sait jamais, parce qu'au début c'est vraiment l'idéal, les Magikarp, voilà, vous les niquez facilement, parce qu'ils ont que Trempette, à partir du level 11 je crois. Donc c'est... Ah voilà, là on est tranquille. Alors, niveau 5. C'est parti. Il y en a une tonne par contre, ça n'abusez pas. Ok, alors. Niveau 16, niveau 10 ici. Je trouve c'est lequel. Ok, c'est bon. A la fin de ce combat, on devrait peut-être, je pense, être level 7. Et donc, avoir Vampigraine, ce serait vraiment une bonne chose. Ce qui nous permettrait, voilà, Vampigraine, ce qui nous permettrait de combattre par exemple, voilà, des level 14. Je pense que ça devrait aller. A mon avis, ça devrait faire. Alors, est-ce que ça marche? Je suis désolé pour le rafle que ça fait là. On pourrait pas tarder à avoir Folian. Normalement. Niveau 9, ok. Y a pas un ouais, niveau 9 ici là. C'est intéressant. Hop. Folian. Après, le problème c'est que Magikarp n'est pas un type gros, c'est un type normal. Je crois, il me semble. Donc forcément, au niveau de l'attaque Folian, ça marche pas très bien.
Niveau 10, c'est parfait ça. Attends, je vais regarder les Pokémon qui est à côté, on sait jamais. Est-ce qu'il y aurait pas un Poissyrène niveau... Ah, niveau 11 ici, Poissyrène, c'est cool ça. Allez. C'est parfait. Oula, il fait très mal par contre. Ouais. Il est sérieux? Oh là là. Bon alors. On était vers où? Faut juste que je vois. Je pense qu'il faut aller par là. Bon allez, on va faire slash home. On va essayer de retrouver notre endroit. Par contre, j'ai vraiment pas de sens de l'orientation comme je vous ai déjà dit, donc ça va être un peu compliqué, je pense, pour retrouver l'endroit. Mais c'est vraiment voilà, c'est à ce point-ci, à ce point-là quoi, pardon. J'ai vraiment des problèmes de d'orientation dans ce genre de jeu. Quoi qu'on est un peu obligé d'aller regardez. Non pas lui, il est trop level. Lui, par contre, on peut. Voilà, on est level 10 maintenant, on a Foliane, on peut se permettre de d'aller tuer du racaillou. Voilà. On a eu du gravier, pierre et diorite. On s'en fout un peu, ça. Bon. Ça, non, on va pas le combattre. Allez, on va regarder tous les racaillou qui sont sur notre passage. Niveau 15, on peut. Hop. C'est parti. Oula, faire attention quand même. Ok. Niveau 11, niveau 12. On va tenter d'en refaire un combat. J'aimerais bien que notre Pokémon évolue. C'est quoi là-bas comme Pokémon? Non, c'est rien. Un assaut lourd d'eau, c'est de la merde. Alors. Oh, un Pyrax. C'est cool ça. Il est assez rare, je crois, dans ce biome. On va ramasser des noix de rhume aussi quand on en voit. Ça peut être cool pour plus tard si on veut se faire bah, simplement si on veut se faire une plantation. Ah, ok, la map a cassé ici je crois. Ouais, la map n'est pas chargée jusqu'ici. Bon, ça c'est un gros bug, ça se réglera plus tard je pense. Hop. C'est parti. Un peu chiant quand même, mais bon. Oula, je pense qu'on va quand même éviter de sauter par là. On va passer par là. Beaucoup plus safe. Voilà. C'est un peu chiant que c'est pas chargé la map là-bas sur le côté. Ah, une Pokéball ici, je l'avais pas vue. Alors attendez, on va ranger. Ça plutôt on va le jeter. Hop. Alors, une potion, non une guérison pardon, c'est cool, c'est une bonne chose, ça pourra peut-être nous permettre de sortir d'une mauvaise situation, donc on va garder ça au chaud, pour plus tard. Où est-ce qu'elle est cette fichue? Ah, elle est ici, ce point d'eau, voilà, il est ici, on a réussi à le retrouver, mais il n'y a plus aucun poisson, c'est super. Qu'on va aller dans l'autre là-bas, il y aura peut-être sûrement des poissons. Au 19, on va éviter pour l'instant. Non, il n'y a plus de poissons comme par hasard. On va aller voir plus loin. On va prendre des cannes à sucre, ça nous servira plus tard pour faire des livres. Je crois, je suis pas expert en Minecraft. Donc pardonnez-moi si des fois je dis des conneries. Tout ce qui est PVP, tout ça, perso, j'ai pas encore touché. Donc ah, voilà. Hop, on prend ça. Ah, plein de tournesol. La nuit, il y a des Rekeza qui spawnent ici, je crois, il me semble, je suis pas sûr. Pas la nuit, mais à l'aube du jour, je crois. Quand le jour se lève. Vous avez une chance de voir bah pas des mais un Rekeza, parce que des ce serait vraiment trop abusé, qui spawn, donc ce serait cool franchement. Bon, pour l'instant on n'est pas trop équipé pour s'affronter à un Rekeza et le capturer, enfin encore moins le capturer parce qu'on n'a pas de bol, donc je pense qu'on va éviter. Il n'y a vraiment pas de poisson là, c'est quoi le délire? Non, pas de poisson. Ah si, là-bas il y en a un, ouais c'est un Poissora. Non, c'est un Magikarp. On va essayer de s'en approcher.
Alors, c'est quoi là-bas? Coxy. Ratata, ouais. Toi, tu te fais. Te fais voir, toi. Je sens qu'on voit pas à travers l'eau là. Il y a beaucoup d'eau, mais il n'y a pas un seul poisson quoi. Ah, si, là, voilà. Alors, niveau 14. Goldine, Goldine, Ça va être un peu chaud, je pense. Magikarp, Va être Goldine, capricieux ce poisson. Goldine. Carp. Je vois pas. Ah, là, ici. Magikarp. Carp. Carp. Baba. Ok. Baba. On va en profiter quand même en mettant Vigraine. Ça nous permettra de récupérer l'énergie sur lui. Carp. Ok, c'est bon. Niveau 13, il apprend Peau d'eau toxique, on va le mettre à la place de Rugissement. Et Poudre de dos à la place Magikarp. de... Ah non, je préfère en fait garder Poudre de dos. Pour les futures captures, ce serait vraiment une bonne chose. Ah, maintenant on flotte maintenant, c'est Magikarp. cool ça. Quand on a fini le combat. Avant, t'étais au fond de l'eau et tu mourais. Ouais, comme un con si t'étais en plein océan. Mais maintenant tu flottes. Donc je trouve que c'est une bonne chose. C'est un bon réglage qu'ils ont fait là. Parce que voilà, c'était vite chiant en fait, tout simplement. Hop. Voilà, on remonte en énergie petit à petit. Ah, ici encore un. Magikarp. Baba, Hop, et baba. niveau 16. Non, niveau 7, pardon. Soy, soy. Hop, il est mort. Non, il pue. Il a pu. Je disais si vous voyez rien sous Magikarp. l'eau. Ouais, j'y suis pour Carp. rien, vraiment. Je peux pas. Il y a encore une carte quelque part, mais je la vois pas en Magikarp. fait, c'est chelou. Je sais pas où elle est. Bon, je pense qu'on va retourner. Attends, on va retourner. Slash home, voilà, ici. On va se soigner vite fait. Et puis, tout simplement. Bon, si on faisait du bruit, c'est. Voilà, c'est mon siège, il est un peu cassé. Donc, voilà. Non, je ne pète pas pendant mes vidéos, c'est mon siège qui est cassé, regardez. Voilà. C'est vraiment très chiant. J'ai l'impression d'être assis sur je sais pas, en fait je sais pas, non. Je suis assis sur quelque chose qui est tout déambulé, je sais pas comment on appelle ça, mais voilà. Il est cassé tout simplement. Alors, sabelette, on peut se le faire, je pense. Ouais. Vampigraine tout de suite. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a un petit écran noir quelques secondes là. C'est pas grave. Et il fait mal avec son tour rapide quand même. Ah putain, mais ils font exprès, c'est obligé. Hein. Bah en même temps c'est normal qu'ils fassent exprès. Ils se défendent quand même. Hein. On est déjà à 10 minutes de vidéo je crois, à peu près. Donc on va faire encore ouais, 10 minutes d'XP à peu près. Ouais, ce sera vraiment l'épisode XP. Je vois pas ce que je peux dire dans cet épisode de toute façon. J'ai tout expliqué lors du premier épisode. Plus tard, on essaiera de trouver plein de ressources. Et puis surtout un nouveau spawn, on va dire. Par contre, il faudra que je trouve la commande pour supprimer le set home. J'ai essayé slash del home, ça marche pas. Donc, je sais pas, on verra. Alors, et j'aimerais bien aussi avoir des bols, justement, donc c'est pour ça que je parlais de ça, les ressources, pour avoir des bols, pour pouvoir bah, commencer à former mon équipe, tout simplement. J'aimerais bien capturer plusieurs Pokémon. C'est niveau 27, ok, ça sert à rien, c'est trop haut level. Ici peut-être le Sabelette. Non, niveau 16, un petit peu trop élevé, on a vu avant qu'il nous a défoncé. Donc on va éviter. Est-ce que là-bas la map s'est chargée? Je sais pas du tout, on va voir. Apparemment oui, je vois des arbres là-bas, au fond. Oula. Un gros bug, je suis désolé. Ah, Volcarapod. Encore un Volcarapod. Là-bas c'est. Ok, c'est une forêt. On va se faire le bide. Hop, Folliane. Il est mort. Ça donne quoi ça? De l'argile, ok. Ouais, il est trop haut level, on va l'éviter. Hein. On va aller voir là-bas ce qui se passe.
Ouais, la map elle est chargée. C'est cool. Alors, ah d'accord, on revient ici en fait. On revient sur la plaine. La plaine d'Erekeza. Ah aussi, on peut se le faire lui. En plus, ça va nous donner peut-être des os. Ce qui nous permettra de faire de la poudre d'os pour nos futures plantations de baies. Ou de nourriture tout simplement. Pourquoi il ne meurt pas en moins de coups? Il était level 13 pourtant. Bon, on a eu un os, c'est cool. Ok. Où est-ce qu'on pourrait aller? Ici peut-être, parce qu'il y a des poissons. Non, il n'y a pas de poissons. J'en ai vu là-bas, mais ils sont tout au milieu, là, donc c'est un peu chiant, quoi. Ah non, c'était des coquilles en plus, c'était même pas des poissons. Bon, là, on va continuer, on va avancer. Cocon fort. Ah, regardez, des nouveaux Pokémon. Tarsal. Voilà. Très bien fait. J'aimerais trop en trouver un shiny. C'est vraiment trop cool, quoi. Y a un truc vert là-bas, je sais pas ce que c'est. Shiny pas, je pense. Ou encore un Tarsal peut-être. Ah Tarsal boss, on va pouvoir essayer de se le faire. On va essayer tout simplement. Hop. Par contre niveau 19 il risque d'avoir choc mental. Donc ce qu'on va faire c'est que bah, je pense qu'on va crever hein. Hop Foliane. Bon. Ah il s'est téléporté, d'accord. En plus il a téléporte. Donc franchement le mec voilà aucun respect. C'est super. Voilà on avait trouvé un boss. Non. On pourra pas le tuer. C'est bête. Et on continue notre chemin. Un Kirlia ici, voilà, encore un nouveau Pokémon. Enfin, c'est son évolution tout simplement. Je sais pas si Gardevoir et Gallant sont disponibles. On verra par la suite. Parce que de toute façon, je pense que. Enfin, l'un de mes objectifs. Ah bah voilà. Voilà, on a la réponse. Gardevoir. Voilà. Très beau Gardevoir. Sérieusement, c'est. Waouh. Maintenant, j'espère que Gallant est disponible. Puisque Gallant, c'est vraiment mon évolution préférée sur ce Pokémon. Oh, tu dis ça, trop mignon. Alors, on va avancer un peu. Hein. On va prendre des baies aussi. Hop. Oula, je suis tombé. Ah, là-bas, il y a des carpes. Je sais pas combien de temps ça fait de vidéo là. Mais on va pas tarder à se laisser, je pense. Ouais, encore 2-3 minutes et on va se laisser ici, je pense. Niveau 19, si on va se le faire. Non, reste ici. Voilà. Alors, on va faire Vampire Graine, comme ça, s'il nous fait perdre de l'énergie, voilà, on peut régénérer tranquille. Voilà. Encore un Gardevoir, je sais pas si c'est le même. Non, c'est pas le même. Enfin, vous imaginez, on trouve Gardevoir Shiny là, comme ça, là, direct. On sera un peu dans la merde, parce qu'on n'a pas de bol. Mais bon, c'est pas grave. Après, je sais pas si vous accepteriez que on se donne soi-même 5 Pokéballs. C'est comme si on commençait une partie tout simplement. Le professeur qui nous donne 5 Pokéballs. Là, il n'y a pas de professeur pour nous les donner, donc peut-être que c'est une bonne chose. Je vous laisse me dire ça dans les commentaires. Du coup, je pense que j'arrêterai de tourner en avance. Je vais faire 2 vidéos et vous me direz dans les commentaires ce que vous voulez. Voilà, par contre, le troisième épisode, s'il met un peu de temps à venir, ce sera normal parce que bah, après, c'est les vacances donc je pourrais pas tourner tout simplement. Parce que là, à l'heure où je vous parle, c'est pas encore les vacances, c'est la semaine juste avant les vacances. Et bah, tout simplement, j'ai une vidéo pour cette semaine-ci parce que je pense qu'on va atteindre les 400 abonnés lors de cette semaine avant les vacances. Et après, c'est les vacances donc je pourrais pas tourner. Donc voilà. Donc ça va être un peu compliqué, je pense. Donc je pense que le troisième épisode viendra après les vacances. Voilà. Alors on va faire tous ces poissons ici, puis après on va se laisser ici, je pense. Niveau 15, Bélier. Bélier, on prend pas, c'est de la merde. Hop. Vampigraine. Oh là, il me met confus. Ok, apparemment la confusion ne marche pas. Quoique. Magikarp.
On va se régénérer sur ce Pokémon, en Pikiraine. Charge. Poudre de dos. Ah, on va continuer, on va juste se régénérer petit à petit. Je fais exprès de faire tour de dos, comme ça je récupère de l'énergie. Allez. Oula. On va crever, je pense. Voilà, on est KO par un poisson niveau 10, c'est normal. Voilà. Donc je pense qu'on va faire slash home. J'espère que la musique n'est pas trop forte, parce que je l'augmente un tout petit peu avant quand j'ai fait un test, que je trouvais qu'elle était vraiment pas trop, pas assez forte. On dirait qu'il y a un nouveau son de Pokémon là-bas, donc on va aller voir. On sait jamais si c'est un nouveau et que qu'est-ce que je veux. J'ai vu un toit rouge. Ça se trouve c'est le mien, c'est j'ai tourné en rond depuis tout à l'heure. C'est très 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 probable, hein, parce que voilà, comme je vous ai dit, mon sens de l'orientation laisse à désirer. Alors attention, verdict. Ouais, il me semble. Hein. Il me semble que c'est. Oui, oui, c'est celui-là. Je crois. On va aller voir plus près, mais il me semble que c'est celui-ci. J'en suis même sûr, parce que voilà, la répartition des bâtiments, elle était comme ça. Ouais, c'est le même. Oui, c'est le même. Donc, voilà. On va soigner vite fait. On va commencer à stocker notre ici. Voilà. Voilà, on le reprendra plus tard, ne vous inquiétez pas. Là c'est Exploforce, la guérison, les livres, la potion, saumon cru, je pense pas que ça se bouffe ça. Je crois que si je le mange, je tombe malade. Je vais essayer. Hop. Non. Hop. Je vais même pas le manger, donc comme ça c'est. Voilà. C'est cru, je pense. Donc voilà. Je pense qu'on va se laisser ici. Sur cette grosse séance d'XP, donc on a quand même monté de 9 levels, c'est pas rien, hein. C'est une bonne chose. N'oubliez pas, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je me auto-donne, on va dire auto-give, 5 Pokéball, pardon, pour commencer l'aventure, hein, pour pouvoir avoir une chance de capturer quelque chose. Après, dites-moi si vous préférez plutôt que je me donne des Hyperballs, parce que en fait, sur Pixelmon. Si ce n'a pas été changé, les Pokéballs ont vraiment un taux très 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 bas. Donc c'est. Voilà, limite, ça se trouve 5 Pokéballs, c'est même pas assez pour attraper un Pokémon sur Pixelmon. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse ça. Et puis simplement, on va se laisser ici pour ce second épisode. J'ai hâte de vous retrouver pour le troisième. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne journée, à la prochaine et ciao, bye bye!